Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler des phares de travail à LED. Donc alors comme je vous disais, aujourd'hui j'ai reçu deux phares de travail à LED encore. C'est toujours de la même marque, c'est Aprolia de chez AgriZone. Sauf que ceux-là, ce qui est différent par rapport à la dernière fois, c'est qu'ils sont ovales. Et ils font 1800 lumens ceux-là. Donc il y a 8 LED de 3 watts. Là, on a toujours une petite caractéristique, donc ça fait 24 watts en tout, par feu. IP68, donc ils seront résistants à l'eau, résistants à la poussière, pratiquement tout, enfin même tout d'ailleurs. Donc pour le karcher, tout ça, ça risque pas de. L'eau risque pas de rentrer à l'intérieur. C'est toujours un boîtier en aluminium, acier, tout ça. Donc là, on retrouve encore une fois toute la visserie. Là, on a une petite notice qui peut être quand même importante, il vous explique comment le brancher pour pas faire n'importe quoi. Donc c'est intéressant quand même. Et là du coup on a le feu. Là il y a quand même assez long de câble à chaque fois. Hein. Ça c'est vraiment pas mal parce que si on les branche plus loin, voilà. Donc il y a toujours le rouge le plus, le noir le moins. Donc c'est assez facile à brancher. Noir c'est la masse. Et là le plus c'est par l'eau. C'est là où le courant est envoyé. Donc il est plutôt imposant aussi, celui-là c'est pas mal. Donc là j'ai mis les 4 feux en route. Avec le gyrophare aussi, donc ça fait vraiment une lumière bleue blanche assez forte. Il y a des reflets dans la caméra, mais sans la caméra, enfin là on voit vraiment que ça fait mal aux yeux, donc c'est que ça éclaire bien. D'ailleurs faut pas regarder dans les yeux qui disent ben, c'est normal, parce que normalement on est dans la cabine.